What's up Team Uncut? On se retrouve pour un nouveau vlog assez exceptionnel avec David. Yes. On est encore au Canada en direction de Montréal. Vlog assez spécial parce que vous vous souvenez de cette fille qui m'a vendu l'Apple Watch à Apple dans mon vlog dernier. Et je suis avec Mika dans l'Apple Store qui a l'Apple Watch. Wouhou! En fait, je vais acheter une Apple Watch. Eh bien, j'ai rendez-vous avec cette même fille-là pour un shooting photo à Montréal. On est chaud, bouillant. Suite au shooting, on aura l'occasion de passer à Ikea chercher un article. Grosse journée, on vous emmène avec nous. C'est parti. De malade par terre, regardez dans quoi on évolue. Regardez ça, c'est de la glace. Ici, on fait des hugs. Ah. Allo, c'est qui a dit allo? Ah, c'est toi. J'entends allo, je vois personne. Waouh, c'est joli ici. Bah ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Hey, c'est en vrai quand c'est plus direct. Là, c'est un peu plus vu. Voilà, on va continuer ici le shoot. Oh wow! On vient de finir donc la première partie du shooting. Maintenant, on va à direction l'extérieur. On va aller dans un café, dans un resto. On s'en va, je sais pas, au Five Guys, je sais pas où Mika va aller. Five Guys, les amis. Au Five Guys, on va se péter le bide à Food Burger. C'est péter le quoi? En France, on dit. On va s'exposer le ventre en fait. Ah bah oui. Ça qu'on s'en va faire. Mais en vrai on n'a pas mangé donc il est quelle heure là? 15h54 donc en fait c'est notre goûter qu'on va prendre au Five Guys. Le goûter c'est quoi ça? Le goûter c'est le... Mais non pas le souper. C'est la collation. Une collation Five Guys c'est un repos c'est drôle. 16 ans pour prendre une collation. À 4h ouais c'est la collation. Top soupe à 5h. On est rendu au Five Guys, typiquement américain. Donc pour continuer le shooting avec Mika, je prends encore contrôle du vlog à Romain. Il en peut plus. Il désespère. Pour ce shooting ici, vu l'environnement et la luminosité qu'il y a, je choisis un objectif Canon 50mm ouverture 1.8. Pourquoi 1.8? On va avoir un arrière-plan bien flouté, donc pour ça je vais ouvrir mon diaphragme afin d'avoir un très beau flou d'arrière-plan. Petite leçon de photo, plus vous rapprochez de zéro, plus vous aurez un beau flou d'arrière-plan. Et donc je vais essayer de me rapprocher au maximum de zéro en prenant un objectif qui a une très grosse ouverture. I'm gonna take a cheeseburger, please. And on that burger, the power is yours, my friend. Go your way, my friend. I want everything, bro. Everything's on here. Yeah, everything. So we're talking about like jalapeno peppers. You got green peppers. A1 hot sauce, barbecue sauce. Yeah. Oh, dude. Oh, yo, I've never seen it before. So there's a mic on the actual camera. Yeah, exactly. It's a boom mic. Oh, shit. Those exist. Perfect for vlogging. Yeah, because the thing is, like, audio is the hardest to perfect. No mic check I will be full. Oh, yes. That's my job to be fat today, man. That's my job. Say something to the vlog. Hey, my name is Omega. I work at Five Guys, opening boxes, cutting fries. That's what I do, man. And have a nice day, world. Cheers up, man. Thank you, bro. Anytime. Énorme, ah ouais, c'est dingue. Et là, on a Mika qui est en train de se préparer. Tu as double cheeseburger, toi? Ouais, double.
super bon ça. Ouais, et ça fait grossir, mais je m'en fous parce que je grossis pas. Celui qui est méchant envers moi, il arrête pas de se la péter et dire que lui il grossit pas. Il dit que c'est pas super, mais non. Pleine. Hey tout le monde, ben ça y est, on vient de finir du coup le shooting avec Mika qui était ici, c'était juste... C'était génial. Malade. C'était génial, et puis bon, remercie ben, tout le monde, remercie aussi David qui est juste derrière. Bravo David. Yes, voilà, on espère que ça vous a plu. Les photos, ben, je vais les publier prochainement sur ma page Facebook et tout ça. Mm-hmm. Mika aussi, vous pouvez la suivre à... Mika Goyette sur Instagram. Comme ça s'affiche actuellement sur l'écran. Continuez à kiffer vos races. Restez créatifs. Bye. A plus. Bye. Bye bye. Salut là. La grosse journée terminée, c'était juste dinguissime. Et la deuxième partie de la journée, c'est d'aller à Ikea. On est arrivé au Ikea. Non, pas Ikea. Au Rona. Pas de tout. On vient de chercher des trucs en L, des supports de tablettes pour les tablettes murales. Bon, bah ça y est, on a réussi à vider toute l'étagère. On m'a demandé de récupérer 16 supports d'étagère. C'est assez énorme. Il y en a pour à peu près 50$ maintenant, direction la caisse. Puis, Ikea. Ça va, ça va David? Ouais, ça va. T'as besoin d'aide ou ça... Manque de main. je vais t'aider. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on doit aller chercher un article à Ikea. C'est pas qu'en fait à Ikea, quand tu veux, tu sais directement ce que tu veux, mais tu peux passer directement par la sortie. Ici. Ouais. C'est pas loin. Désolé. A few moments later. J'ai un 5 sous. Wow. Ça c'est les pièces d'un centime, de 5 centimes au Canada. Et là avec le petit papier on va aller récupérer le petit colis. Regardez-moi la grosse pièce de fou qu'on doit rapporter dans la voiture et le mec qui fait son jeune adolescent. Go. Allez, on va porter ça. Ah ouais. Alors, il fait moi le malin, hein. Vas-y, vas-y David, on te regarde. Ouais, ouais, je vois ça. Il y a YouTube qui te regarde. Tiens, filme. Ce qui va se passer dans la seconde va marquer la fin du vlog. Est-ce que vous êtes prêts? Les amis, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. C'était une journée juste incroyable et délirante. Le coup du chariot à sa place, ça marquait vraiment la fin du vlog parce que bah, mission accomplie. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, liker la vidéo et à la partager bien entendu. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo très 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 prochainement. Restez frais, restez dynamiques, mais surtout restez créatifs. Yes. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À plus Steven Kett. Bye.